Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Donc chers amis, nous allons démonter ce robot. Je sais plus si je l'avais mis, je pense que je l'avais mis en... Pour voir si je peux le récupérer ensuite, je crois que j'avais déjà fait le test et que ça voulait dire non. Mais bon, je préfère le mettre. On va faire ça, on va démonter ce robot, ça me fait mal hein, parce que c'est un robot que j'ai depuis très longtemps. Ça m'inquiéterait presque. Et on va essayer d'en construire un nouveau, un nouvel Eagle, chers amis, ensemble. Donc jouer, modifier votre robot. Donc, commençons par la tête de notre Eagle. Hop. Crac, 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 crac. Ok, donc déjà ça, c'est fait. Spécial, non, cosmétique, pardon. L'Eagle, où est-il? Il est là. Ah bon? Merci. Voilà. Du coup, en termes de ça, ce que je pourrais faire, c'est laisser des cubes ici. On va regarder la totalité. On va d'abord poser la totalité de l'Eagle avant de... Hop. Je vérifie à peu près ce qu'il faut. Alors, je connais pas encore trop l'essence, hein, je m'en rappelle plus, ça fait longtemps. Parce que c'était celui-là apparemment. Crac, ok. Et donc pour le reste, il me semble que c'est ça. Coup d'aigle droite. Droite. Voilà. Donc absolument tout tient sur une façade de 3 sur 3. Ok. Maintenant, l'intérêt qu'on pourrait avoir, c'est d'aller voir si on peut y rajouter des choses à l'intérieur. Par exemple, si je pouvais rajouter un cube ici, imaginons. Voilà. Bon, là n'est pas le problème, là n'est pas la question, pardon. Là, est-ce que je peux en rajouter un sans que ça pose problème? Non. Vous voyez, donc clairement, là le jeu me dit, stop Marcus, tu fais de la merde. Crac. Ok, donc on a la tête de notre Eagle. Ok, maintenant, bah c'est la suite qui va compter. On a donc des spots ici. Crac. J'essaie de réfléchir à comment je peux le solidifier au niveau de tout ça. Ok. Crac. Crac. L'objectif c'est pas de le rendre plus lourd hein, mais c'est de le rendre vraiment plus solide si possible. Alors, est-ce que ce choix était le bon? Je ne suis pas sûr pour autant. Alors, pour l'instant, on va faire ça comme ça. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Je suis pas méga convaincu, hein, mais... Je suis pas méga convaincu, mais bon. Crac, on verra bien. Crac, crac, c'est bon. Et ici, est-ce que ça passe ou pas? Oui, ça passe. Ok. Donc, tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Donc, par principe, je pense que je suis obligé de mettre des cubes ici, ici et ici. Ça, ça me semble logique. Donc... On peut peut-être encore élargir au niveau de ça. Je préfère vérifier et m'assurer. Voilà, vous voyez par exemple, ça, c'est du... Alors, je sais pas comment comprendre ça, c'est peut-être pas du use bug, mais... Un truc dans le genre.
Non, c'est pas celui-là qui m'intéresserait. Ce serait plutôt celui-là. Crac. En tout cas, je modifie le jeu pour qu'il soit à mes convenances. Du coup, là, pareil, je vais en rajouter 3. Je réécarte tout ça. Ok. Donc là, c'est bon. Ok. Alors. Est-ce que je devrais pas... Est-ce que je ne devrais pas faire ça comme ça? Visuellement, comment ça rend? Ça va. Même de haut, ça va, je trouve. Ok. J'aimerais instaurer, comme je l'avais déjà fait, un système de décalage. Voilà, mais est-ce que je peux pas justement, du coup, grâce à ce décalage... Alors non, merci. Alors, si il apparaît que vous vous mettez à faire ça, mais uniquement pour apparaître dans la vidéo, il est clair qu'on va, que je vais changer tout ça, hein, parce que je peux pas non plus... être tout le temps présent. Crac. Ça rend comment si je fais ça comme ça? Ça fait moche. D'accord, c'est ce cube là que je cherchais. Je cherchais quel cube je devais mettre. Intéressant. Question. Ça rend comment si je décale? Encore plus, si je puis dire. Pourquoi tu veux pas? Oui, d'accord. Là, tu vas bien vouloir. Crac. Ça rend encore mieux. Ok. Enfin, visuellement, ça rend mieux pour moi. Selon moi. Hop. Ok. Ok. Voilà. Je sais pas en train de me solidifier ce que ça vaut ce principe là, mais personnellement je trouve ça intéressant. Alors est-ce que je dois pour autant verrouiller? On va dire que je vais le faire pour le moment. Crac. Crac. Ça non, non, c'est pas celui-là. Crac. Ok. Ok. Check maintenant. On va checker si les plumes du coup passent toujours. Si on peut appeler ça les plumes du coup. Elles sont à l'envers. Ah merde, c'était bien là qu'elles se posaient normalement les plumes du coup. Bah alors les filles. D'accord, donc apparemment elles veulent plus à cause de justement une grosse partie de tout ça.
Crac. On va essayer d'arranger ça. On va essayer d'arranger ça maintenant. Tout ce foutoir. Question. Qu'est-ce que tu veux bien prendre là? Pas ça apparemment. Ok. Peut-être ça. Mais pas ça. Alors peut-être que tu vas accepter hein, si je mets un truc ici. Non, pas du tout. Ok. Dac. Est-ce que tu acceptes si je mets un truc comme ça? Seulement si je le mets comme ça. Donc c'est très très moche. Mais bon. Ok, ça passe visuellement. Ça passe encore. Donc, excusez-moi. Crac. Plam. Ok, je sais plus ou moins ce que je veux faire. Si, c'était pas si mal ça finalement. Je sais plus ou moins ce que je veux faire. Crac. Ok. Donc. Crac. Ok. L'objectif va être de faire coïncider ceci avec cela. Et vous pouvez voir qu'il va y avoir un problème déjà. Dorénavant, on sait déjà qu'il va y avoir un problème. Crac. Non? Pas de problème là? Ah bah écoute, moi ça m'arrange, tu me dis qu'il n'y en a pas, hein. Crac. Ok. Bon, ça c'est fait. Ok, maintenant la propulsion, chers amis. Nous avons nos ailes. Ok, je vais faire ça comme ça. Ok, parfait. Solidification des ailes déjà d'abord. Clairement, ça va être une nécessité. Ok. Voilà. Alors, pour les ailes centrales, c'est déjà prévu, normalement ça rentre. Voilà. Enfin, je dis ça, je dis centrale, mais tout est relatif, hein. Tout est relatif. Ok, ça c'est bon. Crac. Par principe, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Ah merde, j'étais plus en. Ah, oh, c'est dommage, j'aurais pu gagner du temps. J'aurais pu gagner du temps. Et vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Faut vraiment que j'arrête de jouer à WoW. Enfin, heureusement que j'arrête depuis longtemps. Mais faut vraiment que j'arrête de penser à WoW. Ne serait-ce que penser à WoW, c'est mal. Penser à WoW, c'est avoir des pensées impures. Ok. Cool. Donc j'obtiens plus ou moins ce que je veux en haut. C'est cool.
J'aurais peut-être dû commencer par là, ouais, effectivement. Crac. C'est forcément pas le bon truc. Crac. Ok. Ok. Ça c'est pas trop trop mal, c'est plus ou moins ce que je voulais. Ok. Alors nous disions donc propulsion, chers amis. Pour la propulsion, j'avais prévu. Je sais plus où c'est là. Voilà. Des trucs comme ça. Normalement, il rentre tout juste. Parfait. Comme vous le savez, je suis un grand fan de cette forme-là de propulseur. Question, qu'est-ce qui rentrera là-dedans? Ça rentre, mais ça ne rentre pas. Ok. Ça rentre? Non. Tac. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui ne rentre pas? Intéressant. Et ici, en termes de... Crac. Donc c'est ici qu'on fermera. Crac. Et... Crac. Pour le premier, bien sûr. Ok. C'est bon. Ça passe, c'est parfait. Crac. Ah oui, c'est vrai, à l'avant, ça ne passe pas, ce principe-là. À l'avant, c'est simplement ça. Crac. Ok. Et donc, alors maintenant qu'on est arrivé derrière les ailes, j'aimerais... Il va falloir que je réussisse à les caler, mais alors ça va être compliqué. Alors aussi, j'aimerais bien vérifier que j'ai pas de trou. Voilà, par exemple, ça c'est un trou. Ça c'est un trou. Le centre de masse d'ailleurs, je l'ai pas d'affiché, j'aimerais bien voir comment je l'affiche. Excusez-moi chers amis, j'ai oublié les touches. Commande. Déplacer. Nanana nanana nanana. Information robot avancée. Information robot avancée, et ben, je vais le mettre sur ça. Ils appellent ça le point virgule, moi j'appelle ça le dollar. Centre de gravité c'est haut. D'accord. On va continuer à le modifier. Crac. Oh, d'accord, ok. Et donc, dollars. Oh, d'accord, moyenne par unité. 1700. Santé, d'accord. Oh, intéressant. Intéressant. Intéressant, intéressant. Crac.
Même. Est-ce que je peux rompre un peu ce truc-là? Passer quelque chose ici. Oui, ça marche. Ça marche cependant. Non, ça ne marchera pas longtemps. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Excuse-toi. Excuse-toi. Crac. Alors, si je ne m'abuse. Ah bon? Un placement incorrect de cube a été détecté. Voilà, ça veut dire va te faire entuber. Si t'aimes pas ça, c'est pas grave, ça peut s'arranger. Non, c'est ce cube-là que j'aimerais avoir, merci. Si tu veux pas, par contre, ça va pas le faire. Ok. Donc ici, ce sera donc forcément ce cube-là, ce qui m'emmerde. Oui, d'accord, je peux placer ce cube. Non, je peux pas. Bon, bah d'accord, ok, ce sera ça. Ok. Ah, je suis puant! Merde! Voilà. On recommence tout depuis le départ. Crac, au passage, on peut mettre ça là aussi. On reviendra pour le dessous tout à l'heure. C'est de maximiser la propulsion. Ok, donc ça c'est bon. D'accord, c'est pas sur celui-là normalement. Voilà, c'est bien. Ok. Donc ça c'est bon. Ça c'est plus ou moins bon. C'est plus ou moins ce à quoi j'aspirais, si je puis dire. C'est une expression, hein. C'est une véritable expression française. Question. C'est comme ça que je l'ai fait de l'autre côté? Ou je l'ai pas fait du tout? Apparemment je l'ai fait comme ça. Ok. Ça m'embête de rien pouvoir mettre ici. Voilà. Du coup, ce cube-là, il passera jamais. On est d'accord. Celui-là non plus. Ah, c'est vrai que je devrais peut-être utiliser plus de choses comme ça aussi. Hein. Je ne sais pas. On verra. Peut-être comme protection en dessous. Hein. Ça peut être intéressant, ça a plein de PV ces trucs-là normalement. Quoi ça ressemble si je le mets, imaginons là. Donc c'est pas la bonne, c'est pas celle-là qui m'intéresserait. Entre toises rampes, ce serait celle-là? Ouais, ce serait celle-là. Qui m'intéresserait. Faudrait voir, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant comme protection. Surtout au niveau des ailes. Ou du dessous. On va voir. On va. Je supprime le dessous, ce qui est déjà plutôt bon signe pour l'utilisation de cette. Bon, c'est vrai que j'ai supprimé ça, j'aurais peut-être pas dû. Là, ça fait la. C'est que la troisième fois que je le refais, c'est pas grave. Ok. Alors, si imaginons que je voulais mettre ça. Il faudrait que je la recule peut-être encore un petit peu. Voyons voir. Et là, tu me balances quelque chose de plus intéressant? Tu me balances quelque chose de bien plus intéressant. Ok. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Ce qui n'est pas peu de le dire. Comme on dit. Je peux pas en mettre une deuxième. Ah, mais. Mon montage est arrivé à son terme. Je peux pas en mettre une deuxième. Ok.
Donc si je place ça, et alors attendez, 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 attendez. Ça passe pas non plus ça? Dommage. Celle-là elle passe? Ré? Alors imaginons que je place celle-là ici. Est-ce que celle-là passerait? C'est pas là, c'est la même, je suis con. Je suis con, je suis con, je suis con. Celle-là passerait. Alors ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment. Parce que là, il y a possibilité de mettre des armes, chers amis. Là, il y a possibilité de mettre des armes. Là, je peux encore mettre, vous savez, bah... Ne serait-ce que... Alors pourquoi il veut pas? Pourquoi tu veux pas? Tu veux bien m'expliquer pourquoi tu veux d'un côté et pas de l'autre, robot? Il veut pas m'expliquer. De toute façon, c'est pas utile pour le moment. C'est... Il y a le vent qui souffle chez moi, c'est violent. Oh putain, oui, il souffle vraiment violemment en plus. Hein. Ok, bon. Ça, c'est pour la suite. D'abord, on continue ce que je voulais faire ici. Je pourrais. Tain, d'accord, ça passe pas. Hein. Putain, ça fait chier. On va mettre ça comme ça. Ça me dégoûte, mais on va mettre ça comme ça. Bon, ça sert à rien, ça. Chewbacca sort de ce corps. Ça, c'est une idée, par contre. Crac. Ça me permet de plancouiller un petit peu ce que je fais. Crac, ok. Donc ça me plaît. Ici. Et là, c'est très important. Et là, c'est très important. Faut un cube en plus. Non? Tu passais déjà de base, tu passais déjà de base. Ok, voilà, j'ai besoin de ceci. Ce qui me pose un vrai problème, c'est que je ne vais pas le mettre comme ça. Ce qui me pose un vrai problème, c'est que je ne vais pas le mettre comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi très très vite, chers amis. J'ai enlevé un truc là. Là, j'ai fait de la merde là. Ok. Parfait. C'est bon, il est revenu à sa place d'origine. Ok. Si je vais pas le poser comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Ah, il veut pas comme ça. Tu veux pas que je te pose? Pourquoi tu veux pas que je te pose? Alors, il va falloir que je sache exactement où est-ce que je peux poser un dernier réacteur. Ici. Bon bah ça va, j'ai... Limite. Je reste sur cette base-là. Ça dérange personne en fait là. Ok, donc L3, 4, 5, 6, 7. Faut que je trouve encore un 8, 9 quelque part. Ah merde. Ah c'est pas le bon sens, merde. 8, 9. Ok. Donc là, j'ai plus le moindre truc de réacteur.
J'ai l'impression qu'on a quand même un robot qui va être un peu plus dense, un peu moins long, peut-être. Et donc, au niveau de ce truc-là, il va falloir que je réussisse à placer ces choses-là. Encore. Et vous allez voir, j'ai prévu un petit truc. J'ai prévu un petit truc. Ne vous inquiétez pas. Un petit truc et astuce. Hop. Alors attendez, parce qu'il faut du coup que je me replonge dedans. Yeah. Voilà. Ça, je voulais absolument le resolidifier. Là, je vais pouvoir mettre tout le long. D'ailleurs, est-ce qu'il y avait véritablement un intérêt à faire ça? Oui, ça reverrouille tout le truc. Ça reverrouille tout le truc, je présume. Du coup, ici, j'ai plus intérêt à mettre un deuxième truc comme ça. Mais il veut pas. Alors, explique-moi pourquoi tu veux bien à certains endroits. Pourquoi t'as bien voulu ici? Voilà, d'accord, ok, c'est parce que j'ai fait ça comme ça. Ok. Ici, il nous serait peut-être intéressant de rajouter un cube en dessous. Donc, attendez. Presque certain de ne pas avoir besoin de celui-là, mais enfin bon, c'est pas grave. Ok. Ça, c'est bon. Faites qu'il soit solide, ce robot, putain. Je me rappelle plus dans quel sens je l'avais mis. Comme ça, sans doute. Ok. Et là, tu prends absolument toute la place, on est d'accord. On est d'accord. Parfait. Crac. Reviens à ta place, toi aussi. Ok. Donc, je sais que j'augmente le poids du vaisseau en faisant tout ça, j'ai mis en rajoutant toute la cosmétique solide. Mais compte tenu de la... Ah bon? Ah oui, pardon, c'est celui-là. J'avais pas vu que j'étais dans le mauvais sens. Compte tenu de la méta actuelle, je préfère encore en avoir un solide. Crac. Non, c'est pas celui-là que je voulais prendre, pardon, c'est ça que je voulais prendre. Merci. Voilà. Et donc là, forcément, j'aurai besoin de ça. Ok. Donc je vous avais parlé d'une astuce. Je vous avais parlé d'une astuce. Donc on va essayer de la réaliser maintenant. Ça se passait plutôt là, je crois. Ça va se passer plutôt là, je crois. Crac. Enfin, c'est une astuce que j'ai. C'est un truc que j'ai pensé. Je sais pas si c'est efficace, hein. C'est made in Marcus, hein, encore une fois. Hein. Ah la vache, ça passe pas à cause de ce cube-là. Va comprendre. Ben, l'astuce est déjà busted. L'astuce est déjà busted, c'est cool. Voilà. Ah, j'ai plus de ces cubes. Ok, je vais en rajouter. Je vais en rajouter, t'inquiète. Je vais en rajouter, t'inquiète. C'est où? C'était ici, forge. Il m'en faudrait deux, s'il te plaît, comme ça. Merci. Crac. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais tourner, du coup, je vais retourner cet épisode-là. Mais là, je vais plus pouvoir tourner de Robocraft pendant quelques heures, parce qu'il va falloir que j'uploade.
le reste, tout simplement. Ok. Attendez. Peut-être moyen de faire un truc là. Ça fait chier cette histoire. Ça fait chier cette histoire. C'était parfait pourtant ça. Peut-être que. Je sais pas. Non. Merde. Il faudrait que je rélargisse d'un cran ici. Donc ici c'est pas la peine. Mais ici c'est faisable en fait. Maintenant que j'y pense, c'est carrément faisable. J'ai pas encore... Ok, maintenant, on reprend. Crac, voilà. Limite d'ailleurs, je pourrais presque... gagner en longueur, ça serait cool. Hop. Crac. Oui, mais là je perds par contre. Réflexionnons, réflexionnons, chers amis. Réflexionnons. Il y en a encore un qui passe là. Réflexionnons, réflexionnons. Crac, si, je sais comment je peux. C'est tout bête en plus. La correction va se faire simplement. Crac. Voilà. Finalement, je primerais bien celle-là. Question, est-ce que je peux les placer là? Visuellement, ça pourrait être plus pertinent. Vous interférez avec tout ça. Ah merde. J'ai supprimé un truc, je sais pas ce que c'était. Bon, ça a pas l'air d'être très très grave. Alors. Je peux pas placer ça, je peux pas placer ça. Je peux rien placer ici, c'est ça. Ok, c'est cool. En tout cas, dans ce sens-là, je peux rien placer, attendez. Parce que des fois, le jeu est un peu foutage de gueule. Hein. Oui, par exemple, là, je peux rien placer du tout, alors que je dérange rien. Si, ça, c'est bon, ça. Pourquoi ça, tu veux pas? Pourquoi ça tu veux pas d'un coup? Ah bah c'est bon, je préfère que tu me dises oui que tu me dises non. Clairement, un jeu. Hein. Là, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. D'ailleurs, je peux le passer comme ça. Hop, ok. Ici, je peux très bien continuer comme ça. Voire même. Non, tu fais de la merde là, Marcus. Crac, voire même comme ça, voilà. Forcément. Et question ici, je peux mettre ça? Oui, je peux. Oui, je peux. Et oui, c'est bien lui. C'est l'ami Marcus.
Ok, ça passe, ça passe, ça passe. Même ça, ça passe, donc ça c'est la fête du slip. Là, je peux forcément rien mettre. Chefly, Marcus. Ok. Bon, pour le dessus, on est solide. Je rappelle qu'on a toujours pas mis d'armement, hein. Ça c'est une catastrophe. Hein. Pour le dessous, comment que je peux le solidifier encore plus? Ah, ma. Ma. Mais il veut pas. Alors pourquoi je peux pas aller solidifier carrément le dessous? Pourquoi je peux pas? Voilà, là ça passe. Là je comprends pourquoi ça passe pas. Alors le dessous est extrêmement fragile, bien plus que ce que je pensais honnêtement. Pour le coup, donc du coup, est-ce que je peux pas? Vu que elles sont là pour ça. Merde, ça se chevauche là. C'est vraiment jouer. Jouer sur les millimètres, hein. Mais bon, avec un peu de chance. Avec un peu de chance, ça peut se corriger. Puisque ici, maintenant, je peux du coup mettre ceci. Mais ça fait très très moche. Hein. You. Ça fait absolument moche. Ça fait absolument moche. Bref, on va revenir là-dessus une autre fois. Donc là, il voudrait bien la prendre. Et là, je le sens pas. Je le sens pas à l'écart, en fait. C'est-à-dire il veut pas de celle-là. Donc je sais pas pourquoi je veux absolument mettre celle-là. Celle-là, elle me sert d'armure, ok. Là, j'ai besoin d'armement, surtout. Là, je vais surtout avoir besoin d'armement. Alors, en termes d'armement... Moi, c'est pas dur, hein. J'avais prévu, voilà, du plasma. On va reprendre les bases de l'autre, hein, clairement. Ah, il veut pas. Apparemment, j'ai pas le droit de mettre d'armes là-dessus. Ce qui me fait royalement chier. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes 2 minutes, chers amis. Ok, bah, en un sens, c'est peut-être pas plus mal. Vu que ça va m'obliger à être un peu plus inventif. Sur certains détails. Là, je suis un poil déçu. On va être un peu plus inventif. Crac. Déjà, on passe sur du plasma de base. Hein. Ça veut dire que ça, ça t'emmerde. Crac. Ok, bah écoute, on va résoudre le problème. Si ça t'emmerde, on supprime. Voilà, c'est tout. Il suffit de le dire. Parle, communique avec moi un petit peu. Ok. Ça fait 3, ce qui est beaucoup trop peu pour le moment. Mais normalement, ça va pouvoir venir. Vous inquiétez pas, j'ai bien vu. Je sais ce que je vais faire encore. Hein. Encore une fois, je sais ce que je fais. Hein. Je le rappelle. Ok. Enfin, je sais ce que je fais. Tout est relatif. Hein. Ok. Non, là, ce sera ceci. Merci. Si, normalement, tu veux bien, là. Voilà, merci. Je croyais que tu voulais plus. Je croyais que tu voulais plus de moi. Tout ça, ça... Que notre amour ne comptait plus à tes yeux. Crac. Et là, c'est bon.
Ok. Et donc. Ah oui, tiens, il y a ça aussi. Ah, c'était pas con ça. Y a certaines armes qui, en les pivotant, vous voyez, deviennent plus ou moins disponibles. Et je me demande si je ne peux pas pitouiller un peu cette distance. Non, pas du tout. Ok, tant pis. Et donc. Ah! Mais pourquoi? Pourquoi tu me les mets rouges? Avant, il y avait le droit de faire ça. Pourquoi tu me mets tous mes cubes rouges à cet endroit-là? On n'a plus le droit de faire supporter des choses comme ça? C'est possible, hein, après, hein, mais... Bon, bah, c'est pas grave. Je vais tenter autre chose. Qu'à cela ne tienne, comme on dit. Oh putain, l'expression de grand-père. Un cube plein, s'il te plaît. Un cube. Ah oui, c'est vrai que j'en utilise pas beaucoup des cubes pleins ici sur ce côté-là. Ce qui est une bonne chose normalement. Hein. Ah, c'était pas un cube plein. Voilà, t'en es un. Je suis pas dans le bon sens, je dirais. Je suis pas dans le bon sens, je dirais. Crac. C'est plus de choses, de ce genre de choses-là que j'aurais besoin. Alors si vous savez pourquoi il voulait pas, dites-le moi dans les coms, chers amis, je serais ravi de l'apprendre. Crac. Alors pourquoi j'ai fait sur 3? Bah parce que pour simplement pour que ce soit plus solide. Normalement ça devrait l'être. Voilà. Crac. Ok. On a donc un vaisseau volant. Un robot volant. Enfin potentiellement volant. Je suis vraiment dégoûté de ce truc-là, par contre, hein, soyons honnêtes. Ça m'écœure. Crac. Ok. Voilà. Pour ce qui est de ça, je mettrais peut-être plutôt ceci. Voire même. Cela. Voilà. Bon. Test de vol. Déjà, parce qu'on l'a pas encore testé, hein, chers amis. Hein. On l'a pas encore testé. S'il ne vole pas, j'aurais l'air d'un. Ah voilà, il a mis du temps. Et il est bien plus agile que l'autre. Il faudrait peut-être que je. Vous voyez, il a tendance à coller au sol. Peut-être rajouter un petit truc. Il a tendance à coller au sol, ils vont peut-être rajouter un petit truc. En espérant que ça suffise. Alors. Pour rajouter un petit truc, je sais exactement ce qu'on va rajouter. Crac, c'est très très simple, de toute façon je pense que vous y avez tous pensé. Et forcément, ça va pas être si simple à rajouter en soi. Crac. C'est encore un peu bas. Crac. De toute façon, on va le protéger ce truc-là. Hein. Est-ce que ça va être mieux maintenant? Est-ce que ça va être mieux maintenant? C'est ça la vraie question. C'est bien mieux. Hop. Crac. Ok, cool. Ça, c'est très très cool. Donc, il vole. Et il est plutôt très agile. Je suis assez content, je suis assez fier de moi à vrai dire. Je suis curieux de savoir s'il va être tanky ou pas. D'ailleurs à ce sujet, donc j'ai dit qu'on allait protéger ce truc-là.
On va le faire. Crac. On notait qu'il y avait sans doute un truc ici à refaire aussi. Là, malheureusement, il n'y aura plus rien. Ok. Bon. On passe à l'étape cruciale, chers amis. La peinture. Ici, je vais quand même refermer un petit peu tout ça. Ouais, non, c'est un truc à ne pas réussir à m'en sortir, en fait. Si je continue sur ce chemin-là, je vais pas réussir à m'en libérer. Donc, autant nous en libérer de suite avec quelque chose de très très simple. Voilà. Crac. Ok. Bon, la peinture. La peinture, on va partir sur un noir, comme d'habitude. Hein. Avec... forcément du blanc ici. Ok. Du noir, du... alors non, c'est l'autre que je visais, voilà. Voilà. Pareil ici, on va mettre que... c'était du orange ou c'était du marron que j'ai mis? Du marron normalement. Il me semble vachement clair le marron. Il est vachement clair. Ok. Donc j'ai mis du noir ici. J'ai mis du beige ici où je voulais pas. Crac. Ça me semble bon. Peut-être plutôt les armes. Crac, comme ça, en laissant deux jaunes. Ok. Au niveau de la propulsion. Crac. Voilà. Et je pense qu'on n'aura plus qu'à le tester dans le prochain épisode, les amis, écoutez. Si, peut-être, mettre, juste pour voir. Juste pour voir. Crac. Est-ce qu'il est encore plus beau comme ça ou pas? Par contre, ça c'est pas la bonne couleur, effectivement. Est-ce que j'ai pas un petit peu genre du gris? Alors, le gris est pas beau. Le gris est pas beau. Non. Non, on avait dit noir sur celle-là. Attendez. Attendez. Ce que je peux faire aussi, c'est ça, regardez. Noir ici. Sur le deuxième niveau, beige. Enfin, sur le marron, pardon. Sur le troisième, beige. Bah merde. Donc non, ce sera noir ici. Je peux mettre par contre du marron ici, cela dit. Crac. Voilà. Écoutez, je pense qu'il est très joli. Peut-être ça qui est juste limite. Mais j'aime bien. Ok. Bon, on n'aura plus qu'à le tester dans une prochaine partie, chers amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures pour une vidéo de construction qui m'aura pris 54 minutes à monter. Ça va être rigolo. Salut les gens!